Donc ça c'est pour faire un strat de pommes qu'on cuit avec un peu de sucre muscovado et zeste de citron vert. Ce qu'il est en train de faire juste à côté de moi. Moi, Pierre, second de chez Louis Barbour depuis un peu plus de 15 ans à la table des frères Louis Barbour à Bigard. Travaillé avec le papa Xavier et Patrice au début, et maintenant l'évolution de la maison avec Xavier et Patrice. Patrice allait avec Xavier et Patrice, on s'est occupé de Patrice, comme vous le savez déjà. Votre prénom ? Si Pareil, si vous enregistrez le son, c'est... C'est plus trop bas d'eau, ça. Ça c'est un amuse-bouche, non ? C'est un prélude. Amuse-bouche et... une sardine qui est cuite dans une escabèche avec une gelée de vinaigre de vanille, de la soja, du concombre. Pas de geste. Ok. Pour l'instant, par contre, qu'elle coule un petit peu. Voilà. Pas que ça fasse déborder là. Ouais. Voilà, comme ça. Ça rase un soufflé un peu pour la texture. Et du coup, il y a deux biscuits gavottes. Oui. Un dans un sens, l'autre dans l'autre. Ok. Mûre, sarrasin et géranium rosa. Au niveau du montage, hein, on a un biscuit tout en bas. À base de farine de sarrasin et d'hibiscus, c'est juste pour rappeler le côté acidulé de la mûre. Au centre de ce biscuit, il y a le sarrasin qui est travaillé comme un riz au lait, avec le lait qui est infusé en premier lieu avec le géranium rosa, toujours ce côté rose végétal. Dessus, on a trois petits galets de confit mûre. Mmh.
Ah ben voilà. C'est